Alors, dernière vidéo de la journée. L'idée, c'est qu'en tant qu'enseignant, je veux récupérer mon travail à faire, enfin le travail à faire que j'ai déposé aux élèves. Donc là, j'avais rempli mon cahier de texte pour ce vendredi-là. D'accord. Il était visible par les élèves par anticipation parce que j'avais coché cette case. Et si je veux récupérer ce travail à faire, le plus simple pour moi, c'est d'aller sur ma page d'accueil, d'aller dans ma rubrique travaux à ramasser. Là, donc je récupère tous les travaux à ramasser. Je vais sélectionner que la classe qui m'intéresse, donc c'est les premières PA, je valide. Et là, je visualise donc tous les travaux rendus, enfin tous les travaux que les élèves doivent me rendre. Alors concernant le 20 mars, donc vendredi qui vient, j'ai bien un travail à récupérer. Ce travail est déposé pour la semaine d'après. Et là, je vois effectivement qu'il y a une copie qui a été rendue. Donc je vais passer par là, je vais cliquer dessus. Et là, je vois bien que Lorenza a bien déposé son travail. Si je clique, donc si j'avais tous les élèves qui avaient rendu, donc ce serait coché vert ici. Si je clique, alors si je veux voir son travail, je clique ici et ça me télécharge le travail de Lorenza, que je vais ouvrir, donc que je retrouve bien son gras et puis ses sauts de ligne, donc ça c'est ce que je peux corriger. Et si je voulais récupérer tout d'un coup, donc je pourrais cliquer sur télécharger toutes les copies, donc là ça me crée un dossier compressé, zippé, dans lequel va se trouver toutes les copies, donc là j'en aurai qu'une, et en plus ça va verrouiller la remise, donc ce qui empêche les élèves de re-récupérer ce travail. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais voir en tant que prof, c'est la dernière vidéo, et c'était comment récupérer son travail à faire. Et puis pour le fun, donc il faut peut-être que je nettoie en fait mes cahiers de texte. Donc pour supprimer des cahiers de texte, ben, c'est retrouver son cahier de texte, c'est réouvrir sa petite fiche. Ici pour virer ce cahier de texte, donc j'ai une petite corbeille qui est ici. Voilà, donc là je fais un peu de nettoyage. Ici concernant le travail à effectuer, je n'ai pas de petite corbeille, mais si je fais un clic pour sélectionner la fiche d'activité, si je clique sur le bouton supre de mon clavier, j'ai enfin, cette petite invite qui me demande de confirmer la suppression de la sélection. Donc là je fais oui. Donc ça supprime le travail à faire, j'enregistre, donc tout disparaît dans mon cahier de texte. Et si je retourne sur ma petite vidéo, là je n'ai plus aucun travail à ramasser et je n'ai ramassé si je resélectionne toutes mes classes, pardon, pas toutes mes classes, mais uniquement les PA. Je n'ai plus ici, pof, de travaux à ramasser. Voilà, fin de cette dernière vidéo.